tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous rejoins. Enfin, je vous rejoins. Je peux dire ça comme ça. Pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis désolée de la qualité. Je filme avec mon téléphone. On fait ce qu'on a. Je fais la vidéo sur mes achats de Sweet Kawaii parce que vous me l'avez demandé. Enfin, beaucoup me l'ont demandé. Donc, voilà. Avant de commencer, je vais faire un point parce que je vous ai dit que j'étais déçue, mais vraiment déçue, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors on commence. Alors en fait, quand j'ai commandé, il y avait marqué qu'on recevait entre 3 et 5 semaines. Et j'ai commandé en fin août. Je viens de le recevoir, donc ça fait à peu près 2 mois. Donc déjà ça m'a saoulée. De deux, quand je l'ai reçu. Je vous explique le truc. Alors là, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Parce qu'il me. Oui, bon, je reviendrai sur ça après. Il me manque 3 trucs encore. Hein. Donc, j'ai reçu tout ça dans une mini boîte comme ça. Voilà la taille du truc pour 5 achats. Donc, quand j'ai reçu, c'était vraiment. Tout froissé, mes chaussures, j'ai dû les. Elles étaient toutes décomposées, j'ai dû toutes les remettre bien. Du coup, même ça m'a saoulé. Donc voilà. Et troisième truc, donc ce que je vous ai dit, il me manque encore trois trucs dans un truc dont j'ai pas de nouvelles, mais du tout. Et donc voilà, donc si j'ai un conseil à vous dire, ne commandez jamais sur Suikawi parce que moi-même je ne commanderai plus rien dessus. Voilà, on passe aux achats. Alors, je vais vous dire ce que je vais vous montrer ce que j'aime le moins à ce que j'aime le plus après. Donc, le truc que je fais, c'est pas que j'aime pas puisque je l'ai commandé donc j'aime bien, c'est le truc que j'ai moins flashé dessus. En fait, je l'ai pris parce que je l'ai bien aimé, mais voilà. C'est ce leggings. Ceci. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on le voit comme ça, c'est hyper moche. Hein, je suis d'accord avec vous. Mais quand on le met porté avec un t-shirt et tout ça, c'est beau. Donc, voilà, vous avez pu le voir, il est. Il a une matière un peu bizarre. Voilà, je crois que je l'ai payé. Ah oui, parce que je tiens à préciser que ce site c'est très cher, mais vraiment, et j'étais vraiment déçue de commander là, parce qu'après, quand j'ai vu les prix sur votre site, j'ai fait. Ok, j'aurais dû jamais commander sur ça. Je crois que je l'ai payé 15 euros et quelques, je crois. Donc voilà. Deuxième truc que j'aime le moins, quand même. J'aime bien, mais c'est pas le truc que je préfère. C'est mes chaussures, elles sont trop jolies. Donc, c'est des creepers avec des semelles doubles. Voilà. Je les ai payées. 32 euros, un truc comme ça. Après, j'ai vu sur AliExpress, elle coûtait genre 12 euros, je crois. Il fallait faire un arrêt cardiaque. Après, donc du coup, j'ai pas beaucoup de trucs à vous montrer vu que je n'ai pas reçu grand-chose. Voilà. Je l'aime trop. C'est un pull panda. Il est trop beau! D'ailleurs, il est comme ça, avec la capuche et les oreilles. Je l'ai payé. Attendez que je me rappelle. Combien je l'ai payé déjà? Après, quatrième. Le quatrième, je le porte sur moi. Il est trop joli. Derrière, c'est. Il y a écrit Toy Poney, je crois. Ou je sais plus. Voilà. Je l'ai payé 32 euros. Après, j'ai vu sur AliExpress à 13 euros. Je me suis tiré une balle dans la tête.
le dernier que J'aime trop Cosimo. Je l'aime trop. C'est, bah, je vous l'ai mis en photo déjà, c'est mon Sarouel. Mon star, il est trop joli. Avec les petites oreilles. Et je l'ai payé. Je sais plus. Je crois que je l'ai payé 30 euros, un truc comme ça. Ouais, bref, je crois que je l'ai payé 30 euros ou 25 euros. Je m'en rappelle plus. Donc voilà. D'ailleurs, que j'ai pas de nouvelles du tout. Et un autre pull. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu. Si vous devez commander sur Sweet Kawaii, je vous conseille vraiment pas de commander dessus, celle qui voulait, je vous le dis clairement, je ne mettrai même pas le lien du site parce que ce site c'est vraiment n'importe quoi.